sauts à ski. C'était en fait la première étape de la tournée des quatre tremplins comptant pour la Coupe du monde de saut à ski. C'est le Finlandais Naikkanen qui s'est contenté, si j'ose dire, de deux bonds de 115 et 114 mètres qui a terminé deuxième, devancé par le Tchécoslovaque Pavel Plok, qui l'a emporté avec des sauts impressionnants de 116 et 117 mètres.